Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La revanche d'Hammerman aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Est-ce que ça va être compliqué? Je ne le sais pas encore. Est-ce que ça va être la merde? Certainement, ça c'est fort possible. On va déjà supprimer tous les arbres parce que sinon je ne vais pas m'en sortir pour replacer la map. Alors on a préparé déjà notre petit layout hein, de base, bien entendu. Comme toutes les semaines, ils se ressemblent énormément, pour ne pas dire que c'est le même, d'ailleurs, je crois. Hop, il est où? Il est où? Il est où? C'est lequel que je vais faire? Putain, je sais même plus. Bon, c'est quoi? On va prendre celui-là. On va voir. On va voir un petit peu. On va l'ajuster ensemble. Non, alors on va déjà enregistrer. Alors, je suis toujours psychopathe de ça. J'ai toujours peur. Allez, on va prendre celui-là, on va l'enregistrer dessus. J'ai toujours peur de foirer mon layout. Je m'étais déchargé, j'ai pas enregistré l'ancien. Enfin bref, c'est tout un bordel. Oula, quelle est cette compo que j'ai fait là? Ah, ça, j'ai dû enregistrer une fois que Hammerman m'avait gonflé. Je sais pas ce que j'ai fait là. Bon, je vous permettez, hein, je le calibre un petit peu là, le petit, histoire que qu'il puisse être efficace parce que là, c'est un petit peu bizarre. Là. Tout est disséminé sur la gauche là. C'est suspect. Depuis la semaine dernière, des nouveautés intéressantes dans le sens où j'ai obtenu, enfin obtenu, j'ai commencé à augmenter plutôt les canons. Donc c'est pas aussi important que les super canons, je vous l'accorde, mais les canons sont en nombre un petit peu, enfin sont en nombre supérieur par rapport aux super canons. Et ça augmente donc leur efficacité. Je suis pour l'instant. Ils sont où les petits? Donc j'en ai quelques-uns qui sont niveau 11 et j'en ai qui sont niveau. Je me suis un petit peu plus énervé dessus. J'en ai un notamment niveau 17, je crois. Donc 18, 16 et 15. Bon, j'en ai un en amélioration. Je suis désolé. Le mec qui ne prépare pas du tout sa vidéo. Non, je suis désolé en fait. Je ne pouvais pas la faire après parce qu'il faut savoir qu'on est le. Je vais regarder sur le PC. On est le. Ouais, oui, on est le 31, que je suis con. Donc voilà, il est 7h exactement. Il est 7h15. Non, il est 8h15. Putain, je suis décalé. Il est 8h15, je suis debout depuis 7h. C'est un carnage. On n'en a absolument rien à foutre. Arcane, prépare ta base. Dépêche-toi. Parce que les mecs n'ont pas que ça à faire. Il faut aller sortir l'alcool. Je vous la publie ce soir, hein, je vous le dis. Hein, je vais me servir de mon petit émetteur 3G, enfin 4G, pour pouvoir vous proposer la vidéo ce soir. Je vais gaspiller un petit peu de ces gigaoctets de disponibles pour vous proposer les vidéos. Bien sûr, je mets toutes mes mines sur la gauche et ils débarquent à droite. Bon, c'est pas grave, on est sur le premier niveau. Je les remettrai un petit peu plus. Je vais les éparpiller un petit peu. C'est bizarre là, c'est étonnant. Parce que la vague numéro 1, il n'y a pas de tank. Bon, petit café. C'est étonnant. En général, il y a toujours un petit peu de tank. Et j'ai oublié, bien entendu, je parle. J'ai oublié de booster mes deux statues. Quand je parlais de nouveautés par rapport à la semaine dernière, je crois que j'ai obtenu la statue bleue de dégâts, donc des bâtiments, la plus importante, je crois. Si je ne vous dis pas de bêtises, elle est ici, cachée juste derrière, à 36%. On va la booster, on passe à 72% de dégâts des bâtiments. Et bon, après, 28, ici, rend exceptionnel. Donc, par contre. Je pense que je n'avais pas le bon. On va prendre celui-ci. Celui-ci est déjà un petit peu plus homogène. Et je vais juste venir. Voilà, replacer mon super canon. On a les deux électrocanons qui, bien sûr, n'ont pas changé de niveau. Ils sont toujours au niveau maximum. On a les lance-roquettes qui ont la portée sur la plage. Et on verra comment ça va se passer. Les mines sont un petit peu disséminées de partout. Pardon, excusez-moi, le petit rototo des familles. Vous en avez l'habitude maintenant. Chaque fois, j'ai des commentaires rototo des familles. Hashtag rototo des familles, s'il vous plaît. Je vous en prie, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, les amis. Hashtaguez-moi ce rototo des familles. Vague 2, très simple. Beaucoup de fusillés sur cette vague 2. Tiens, dis donc, c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de lance-roquettes, ça va pas être évident. Ouais, ça va pas être évident du tout. Bon, ça passe. On va mettre en x2 parce que bon, là. Voilà, on va dire que c'est pour chauffer, histoire d'éviter que mes lance-roquettes s'enrayent. On va les chauffer un petit peu, parce qu'à mon avis, tout à l'heure, ils vont en avoir besoin. J'espère encore une fois vous proposer le maximum
d'étape sur ce Hammerman. Ouais, on dit étape ou on dit niveau. Bon, on s'en fout. Flotte restante, on s'en fout. Des récompenses de... Des pièces de prototype qui sont très intéressantes pour moi. Donc ça, je suis content. Alors, des petits tanks qui normalement vont pas trop m'embêter. Vont être peut-être un petit peu plus résistants parce qu'il y a des infirmiers derrière. Mais voilà, bon, les infirmiers ont pris la sauce. C'est très bien. Magnifique. Allez-y, faites-vous plaisir. D'accord. Une petite vague. J'ai l'impression que sur ce Hammerman, il a décidé d'attaquer en nombre. Je sais pas pourquoi, c'est une intuition comme ça. Ça fait trois fois qu'il me balance plus de 100 fusillés. Je pense qu'il est énervé. On est le 31, c'est le dernier jour de l'année 2015. Je pense que il est sous stéroïdes. Je sais pas pourquoi les amis, mais je sens que cette vidéo va chier. Je sens que vous allez voir Arcane rager. Je suis pas certain, je peux me tromper. Ça va du tout, on verra bien. Regardez-moi cet infirmier là, tout seul. Kéké boy, voilà. Allez, on est parti. L'étape numéro 3 terminée en beauté. On va pas faire le malin. Bon, là, c'est les pièces de prototype que je n'ai pas besoin, mais bon, on va les faire quand même. Alors, effectivement, maintenant que j'ai changé de layout et que mes mines sont un petit peu plus... Enfin, sont supérieures en nombre sur le côté droit, ils débarquent tout le temps côté gauche. Donc, bon, le mec se fout de ma gueule, il me manque totalement de respect, c'est pas grave. C'est pas grave. On est habitué maintenant avec Hammerman. Ah, oh, des grenades, j'ai même pas fait gaffe. Donc, je vous laisse à chaque fois... Sur les petits niveaux comme ça, le mec n'arrive plus à parler. Je vous laisse à chaque fois découvrir les. Voilà, au pire vous mettez pause pour regarder les récompenses de disponibles. Combien coûte une attaque si vous êtes curieux, ben, à mon level. Je crois que c'est 90 000, je sais plus. Je sais même pas si ça change en fonction des levels. Bref. Voilà. Je vous laisse faire les curieux si vous le souhaitez. Je passe assez rapidement sur les petits niveaux. On va mettre en x2. Voilà, ils ont pris les mines en pleine poire. Ils se sont fait éclater les sandales. On y est. Allez, donc là maintenant, à partir d'ici, il va falloir se concentrer parce que là, j'aurais juré que votre base... Ah ouais, non mais change de discours un peu, mec. Allez, on y va. Bon, un premier carbo. Pas d'infirmier, un premier carbo et 24 gros bras. Si les guerriers arrivent à faire une percée et que les zouquettes derrière continuent à tirer pendant que je m'occupe des gros bras et des carbos... Ça risque de chier des bulles. Je vous le dis, je vous l'annonce. Et j'espère que le carbo va débarquer à droite. Bah, ça sert à rien, de toute façon toutes les mines ont craqué. J'espère que le carbo débarquera donc à gauche. Parce que sinon je suis dans caca. J'avais l'impression que c'était mon iPad qui vibrait. Mais non, pas du tout. Je crois que c'est le camion de la mort qui tire un petit peu. Allez, on y va les amis. Allez, circuler. Les jeux sont faits, on remercie le camionneur. Le jambon s'en va. Le carbo passe à gauche, ça c'est très bien. Est-ce qu'il va prendre? Oh bah... Alors là, les amis, vous en voulez un petit peu ou pas? Oh là là, je lui ai mis la fessée. Ah là, je suis content de moi. Là. Je suis content de moi. Les tanks sont pas passés, mais j'en ai absolument plus rien à péter. Bah d'ailleurs, pas de tank, je crois. Bon, le mec s'emballe de suite. C'est des gros bras. Je suis étonné. C'est passé crème. Bon, on est qu'au niveau 5 aussi. Hein. Le mec fait le malin. Le carbo était pas maxé. Voilà, il était très loin d'avoir la vie potentiellement maximum qu'il pouvait avoir. Donc, effectivement, je fais le kické pour rien. Mais c'est pas mal. Voilà, le carbo a débarqué à gauche. Il aurait débarqué à droite. C'était un petit peu plus embêtant. Mais c'est passé. Voilà, on va pas se plaindre. On l'a festoyé. Champagne, les amis. Alors, le niveau 6. Bon, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 9 tanks niveau 14, 504 fusillés. 504 fusillés. Un demi-millier de fusillés. L'iPad va exploser, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Allez, on y va les amis, je serre les fesses, je vous le dis. On est parti. Non, il m'a mis un barrage sur les mines. Oh le vicieux. Oh le vicieux. Oh, oh le vicieux. Ah ça fait drôle hein. Oh là là, il m'a déjà jeté au moins 120 fusillés. Oh là là, il y en a qui arrivent derrière. Ah, les infirmiers. Aïe, aïe, aïe. Dans la merde. Les amis, on est dans la merde. Je vous le dis, on est dans la merde. Allez, on se concentre. C'est parti. Allez, les amis, j'aimerais proposer le niveau 7 pour ce dernier Hammerman de l'année 2015. Ça me ferait vraiment chier si malheureusement je ne passais pas ce niveau 6. Et là, je vous l'annonce, c'est assez tendu du slip. Hein. Tout ce qui m'envoie, what the fuck?
Oh. Bon. Alors. What the fuck? Bon. Alors déjà, il n'y a pas de grenadier. Donc au niveau des mines, je vais pouvoir gérer ça un petit peu plus loin. Sachant qu'après, les fusillés passent devant, donc c'est pas les tanks qui vont prendre les petites mines. Alors, ce que je vais faire... Ouais, je vais mettre en x4. Ce que je vais faire, j'ai lu dans un commentaire de la dernière vidéo d'Hammerman, un des abonnés qui me dit « Déplace ton lance-roquette, ton lance-électrobombe pour éviter de friser les tanks devant et que les fusillés fassent office justement de barrage. » Et que donc les tanks puissent DPS tranquillement. Donc je vais l'écouter. Je vais reculer mes deux lances électrobombes. Je prends le risque que tout ce qui est tank et tout, ça vienne directement m'exploser mes bâtiments. Mais je vais l'écouter parce que je suis à l'écoute de mes abonnés. Et que si ça marche, ben écoutez, je lui roule une pelle. Non, je rigole. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir comment vous fonctionnez. Vous voyez que je lis tous vos commentaires. Parce que justement, si ça peut me permettre de vous proposer encore plus de vidéos, voilà, encore plus fun, où on peut aller ensemble encore plus loin grâce à vous, c'est encore plus le top. Donc là, ce que je fais, c'est tout simplement que je vais balancer quelques petits bâtiments non défensifs pour occuper un petit peu les tanks, les fusillés, tout ça. Et pour laisser le temps à mes canons et à mes super canons de détruire tout ça. Enfin tout ça, tout ce qui seront en train de perdre du temps avec des bâtiments non défensifs, notamment les tanks, les fusillés et tutti quanti. Alors, on va tenter une fois comme ça. Et là, je ne sais pas si vous êtes en train de le remarquer, enfin vous devez certainement le remarquer. J'essaie de maximiser les bâtiments défensifs. Enfin, les bâtiments qui font vraiment mal aux tanks, j'essaie de les balancer le plus possible à gauche pour que quand les tanks arrivent, bababam, ils se fassent vraiment lever. Mais vraiment, voilà, il faut qu'ils se fassent arracher. Donc, normalement, potentiellement, les fusillés, enfin, les tanks ne seront pas arrêtés par lance électrobombe tant qu'ils ne passeront pas sur moi, enfin, dans l'herbe. Donc là, je pense que on va même le mettre un petit peu là. Là, ça devrait être pas mal. Derrière, on a les lance-roquettes qui se mettent en place. Ce lance-électrobombe, j'ai un petit peu peur. Je préfère le remettre un petit peu vers là. Voilà, on va voir. J'ai vraiment peur que le lance-électrobombe ici ne... Ouais, je vais le mettre là. C'est putain, j'ai peur. Bon, on va essayer. On va le reculer un petit peu. Bon, je suis désolé, la vidéo est assez longue, mais c'est la dernière vidéo de l'année que je filme. Il est hors de question que je vous fasse ça à moitié. Une autre chose que j'ai oublié de faire, c'est... Eh non, les fusillés passent devant dans tous les cas. Bon. Ah, puis les fusillés font mal. Hein. Oh là là là. En fait, c'est le nombre qui fait mal. C'est vraiment le nombre. Alors, vous allez voir ce qu'on va faire. Vous allez voir. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a? Derrière, il y a encore des fusillés. Encore des infirmiers. Et il y a pas mal de trucs. Ok. Donc les amis, on va mettre en x2, histoire de voir comment ça progresse, mais à mon avis, ça va faire très mal. Ouais, ça fait très très mal. Alors, on va modifier les mines. Voilà, on va mettre en x4, on va modifier les mines ensemble. Vous avez vu que j'ai déjà abîmé un petit peu les tanks, donc le but du jeu étant d'essayer vraiment le plus possible de détruire les tanks, mais vraiment leur arracher la tête. Et c'est très compliqué, très très compliqué, je dois avouer, et je suis boosté les amis, je suis boosté, j'ai mes super canons tous maxés, bon après oui, je vous l'avoue, j'ai un canon de la mort niveau 2, il n'est pas niveau 3, mon électrocanon qui effectivement ne tire pas d'entrée, donc ça, il va falloir qu'il tire de suite. Alors, là c'est très simple, on va avancer un poil les super canons, parce qu'il faut que les super canons aient la portée. Après, les super canons ne servent strictement à rien une fois qu'ils ont détruit les tanks. Leur rôle, c'est pas d'aller taper des fusillés parce que c'est pas avec ça que je vais avancer. Ça, clairement, c'est la première chose à savoir. Par contre, ce qu'il faut, c'est éviter que tout ce qui soit fusillé et tout fasse office de barrage. Donc pour ça, je vais essayer de détruire immédiatement le plus de tanks possible.
Et vous verrez que normalement, le canon de la mort, pareil, je vais le rapprocher pour atteindre immédiatement, dès qu'ils sortent de la plage, les tanks. Et après, par contre, ce qu'il faut, c'est immédiatement bloquer tout ce qui est lance électrobombe, enfin, tout ce qui est fusillé et tout, qui vont commencer à progresser sur la map et qui vont m'inonder de petits trucs, là. On va plus savoir quoi attaquer. Enfin, mes bâtiments défensifs ne vont plus savoir quoi attaquer. Il faut qu'on réduise cet effet de masse le plus possible. Je vais avancer un petit peu l'électrobombe. Donc mes super canons vont tirer dessus. Je vais peut-être pouvoir m'autoriser. Hop, voilà, de pouvoir friser un petit peu plus loin. Oui, ils ont la portée dessus, c'est parfait. Le canon de la mort a aussi une portée dessus. L'électrocanon, on va le mettre un... non, parce que j'ai confiance en cet électrocanon, même s'il est niveau 2. Mes lance-roquettes tirent... Allez. C'est vraiment pour essayer de maximiser le truc. Je suis pas certain que ce soit la meilleure solution, mais on va voir ce que ça donne. On va balancer des munitions. Le mec qui chante. Je suis désolé, la vidéo prend pas mal de temps, mais je veux pas faire les choses à moitié sur cette dernière vidéo. Ça fait 10 fois qu'il le dit, le mec. C'est pas grave. Hop. Donc après, les super mines ici sont pas forcément utiles dans le sens où bah justement les tanks ne vont pas, théoriquement ils ont pas le temps de s'approcher. Mais bref, on va essayer. Et puis malheureusement, si celle-ci ça ne passe pas, on est déjà à 17 minutes de vidéo. Malheureusement, je ne pourrai rien y faire de plus. Voilà, vous le voyez, les super canons ont tenté vraiment hein, de faire ce qu'ils pouvaient. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué, mais j'ai l'impression que ça se passe peut-être un petit peu mieux que tout à l'heure. J'ai l'impression, après je... Peut-être que l'électrobombe qui était sur la gauche n'était pas assez avancée, et donc on pouvait pas friser en même temps les fusillés, les tanks, enfin je sais pas. L'électrocanon qui se met en place, j'ai perdu mes super canons, ça y est, il m'en reste qu'un qui va décéder maintenant. Le canon de la mort, on en a un petit peu rien à faire malheureusement. Il n'est pas efficace dans ce genre de situation parce que là, théoriquement, attaquer toutes les 4 secondes, c'est pas ce qu'il nous faut. C'est très compliqué, les amis. Oh là 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 là, je me foutais de la gueule des fusillés en début de vidéo, mais là, c'est juste horrible. Eh ouais, les fusillés passent devant, le tank ne se fait même pas détruire. Et là, l'électrocanon est juste... Il est fou. Oh là là, ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. En sachant en plus que nous avons des infirmiers... Ah putain, qui remonte la vie, c'est abusé, quoi. J'ai envie de tenter une dernière fois. Je sais que, voilà, ça va pas... Ça va rien changer du tout à l'histoire. J'ai envie de tester une dernière fois avec vous. Je me dis que si on démarre légèrement mieux... Putain, j'ai tué que 3 tanks, c'est fou, quoi. Et juste ça, en fait. Hop, l'électrobombe ici. On a la porte... Normalement, ça devrait être bon, je crois. Normalement, c'est bon. Et si on mettait un petit peu des lance-flammes juste après, voir ce que ça donne. Ça sert à rien du tout. Hein. Autant ça donnera absolument rien du tout. Bah, dans ce cas-là, c'est pas grave. On aura essayé. De toute façon, on est là pour essayer. Hop. Et lance-flamme ici. Voilà. Et puis, allez. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Allez. On retente une dernière fois. C'est la dernière fois, les amis. Après, on... Voilà, on arrête. Allez. Donc le souci aussi, c'est que les super canons tirent 2 fois sur le même tank. Ça, c'était déjà le problème la semaine dernière. C'est encore le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que je peux les disséminer de partout sur la map. Ça changera absolument rien du tout, dans le sens où les tanks après ne seront plus jamais touchés vu que les fusillés passent devant. Je suis d'accord avec vous pour le fait que l'électrobombe bloque les tanks et donc le reste passe devant. Mais le souci que j'ai, c'est que si je ne bloque pas les tanks, les fusillés, de toute façon, dû à leur vitesse de marche supérieure aux tanks, passeront devant dans tous les cas. Et vous l'avez vu, même en mettant les 4 super canons d'un coup pour optimiser les dégâts sur les tanks, malheureusement ça ne suffit pas parce qu'ils sont nombreux et que les tanks attaquent tous les deux à la même cible. Voilà, c'est très très compliqué. J'ai l'impression de m'en être un petit peu mieux sorti que tout à l'heure. C'est peut-être juste une illusion, mais ça ne suffira pas, clairement, ça c'est sûr et certain. J'ai encore du progrès à faire sur Hammerman. Je vous le cache pas, je suis vraiment dégoûté parce que je comptais finir sur une note positive. Je me suis levé ce matin en me disant putain,
Tu imagines si jamais tu réussis le Hammerman niveau 7, ça leur fera joli cadeau d'adieu pour cette année 2015. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suis un petit peu dégoûté, il faut, ouais, faut bien se le dire, c'est très 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 dommage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que je peux améliorer. Si vous avez des techniques qui fonctionnent, je lis absolument tous vos commentaires. C'est vrai que je suis un petit peu moins réactif sur les commentaires en ce moment, mais voilà, après il y a des choses dans la vie qui font que j'ai peut-être un petit peu moins de temps ou voilà, mais ne vous inquiétez pas, je lis absolument tous vos commentaires. La preuve, j'ai été conseillé sur une petite astuce au niveau de l'électrobombe. J'ai testé, voilà, bon, c'était pas forcément la meilleure solution, mais j'ai lu, j'ai compris, j'ai essayé ce que tu m'as dit. Je suis, pardon, petit rototo des familles, hashtag. Je suis désolé, je ne me rappelle plus ton prénom, enfin ton pseudo, mais voilà, j'ai essayé un petit peu de faire ta technique. Bon, ça n'a pas super fonctionné, mais bon, la mienne non plus n'a pas fonctionné. Alors, je vais te dire, je pense qu'il me manque un petit peu des niveaux dans les bâtiments défensifs, mais sur un petit peu tous les bâtiments défensifs, il faut que ce soit plus homogène que ça. Voilà, bon, les amis, je vous souhaite de très bonnes fêtes, enfin, très bonnes fêtes, elles sont passées, mais voilà, une merveilleuse et heureuse année 2016. Voilà, plein de bonheur pour vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous le souhaitez, à dire à tous vos collègues de la Task Force que Bumbi Tcharkhan est en place pour l'année 2016, encore plus que sur cette fin d'année 2015. Vous imaginez que ça fait à peine 2 mois que je fais des vidéos, on est presque déjà à 700 abonnés, c'est juste extraordinaire. Voilà, maintenant que je vous ai souhaité une très bonne année, je vous fais plein de bisous et je vous dis, on l'a fait ou pas ? Bon allez, on va la faire. À l'année prochaine.